libération prisonnier politique. Pressé. Et on peut-être une bataille, ça change ma journée. Nous une bataille à Lambert, ça nous reproche Lambert. Ça nous guère Lambert. Avant 7 février, Lambert suffit pour dire que tu pas. Pour défendre Jovenel Moïse respecter la constitution. Et bien Lambert préfère prendre l'argent, le même Jovenel Moïse. Je dis à la nous quitter Lambert pour nous continuer avec continuer PHTK, pour nous continuer à ouvrir le quartier populaire, pour nous continuer à pas qu'à jouer une libération. Nous prenons Lambert, nous prenons un monde propre, si honnête. Et peuple a été venu n'arrive pas à placer qu'on fait signal encore. Et bien c'est dans le même objectif ça, Anel Belizin, Kilik, Job, Sibaba, Makintoun, avec plusieurs autres prisonniers politiques encore, Lenapon, Alberson Konek, Maxime, un paquet d'autres prisonniers politiques qui est régime BHTK qui mettait dans la prison info. Jeudi à là, Ariel Henry, vient une bénédiction et Jovenel Moïse a arrêté que social. Jusqu'à présent, Ariel, pour que je comprenne que bataille, peuple haïtien, c'est une bataille qui existe. Et bien, je dis à la, le même militant Chenmas, qui c'est force militant radical Chenmas, nous dit à Ariel Henry, pressé, pour libérer les prisonniers politiques. Et nous, ouais, marcher pressé qu'a fait. Et dans la République, qui a cité nous et Joseph Lambert, nous-mêmes, force militaire radicale, nous ne parlons pas de Lambert et nous ne reconnaissons pas Lambert. Et ceci, nous avons prêté ce point fixe qui c'est libérer prisonniers politiques. Et nous avons tout à Ariel Henry, c'est ma salle là. S'il paraissait aux gens, nous parlons de Lambert. Nous parlons de Lambert nous-mêmes. Donc, si tout le monde a une libération politique, donc Chen Massa a la retournée pacifique, Jean Bolivar. La pacifique, pour laisser toujours accoumé pour nous jeunes sacrés, nous des droits. Nous demandons libération. Nous demandons libération Kilik, Joanel Babas. Nous demandons libération tous les prisonniers politiques. Nous-mêmes, nous parlons Lambert. Automatiquement, Lambert vient chita avec nous pour nous connaître l'idéologie politique. Nous parlons comprendre. Mais la priorité gourmet, pour nous dire régime criminel PHTK, nous-mêmes, les militants, au niveau de Chenmas, nous parlons Lambert. Tout le monde Lambert vient chita avec nous. Nous pas oublier Jean-Jacques Dessalines de mourir pour justice sociale. Justice sociale veut dire pas ni mon haut ni mon bas. Justice sociale veut dire richesse pays a pas qu'à mettre 2% de milliards si vous libanais juifs qui gagnent qui derrière deux avec comme groupe. Justice sociale veut dire si mon qui dans cité soleil Matisse en Belle la Saline, c'est pas Sam qui cloue dans mais c'est bon gens l'école pour jouer même gens si mon négalais yo. Bon gens université pour jouer loisir pour vivre tant que monde. Et mais c'est justement ça qui fait nous mettre le mouvement national Petit Dessalines Capé
comme un mouvement qui plus que un parti politique, qui plus que un regroupement, qui une plateforme et organisation politique, pour nous ramasser tout le monde qui croit vraiment dans une véritable bataille qui va porter changement réel, changement escompté, changement que tout le monde dans le quartier populaire va obtenir, changement marché ça va obtenir, qui c'est en Haïti, côté que l'on passe Matissan, c'est pas forcément c'est qui va prendre balle pour tout le monde dans votre prendre balle pour mourir, côté que l'on va passer cité soleil à 9h du soir, côté que l'on va rentrer village de Dieu, elle est bien en c'est Haïti ça, nous voulons, et c'est pour ça notre bataille, et c'est ça qui fait nous chita, nous réunis, et puis nous. Prend ça comme signe MNPD qui signifie Mouvement National Petite Dessalines qui pral j'aime dit nous justement pour tirer Dessalines au plus haut niveau. Excusez-moi, tant que nous dit MNPD, nous ta mon fond différence pour entre MNPD et Petite Dessalines puisque me connais que vous êtes anciennement Petite Dessalines. Donc qui ka fait différence ça pour nous et qui raison qui cause que quitter Petite Dessalines. Et par rapport à la conjoncture, là, nous pas tellement aimé les détails sur ça que tu as fait avec la petite Dessalines, nous, Jean-Charles, là. Parce que nous croyons que chaque haïtien a droit pour faire une petite Dessalines. Et c'est ça, un peu le monde trompé, et que nous faisons. Et ça nous corrige. Ok? Là, nous avons fait Jean-Charles, là, bataille avec elle. Nous avons dit Moïse Jean-Charles, sans dire non, là, je veux dire. Moïse Jean-Charles, il y a des salines, mais quoi, il y a des salines. Il y a des comme discours, mais quoi, il y a mais. Et ça faut ouais je dis hein moi à Moïse nous pas monter même cheval ils aiment dégager le cheval moi puis quoi bah bon ça paye Moïse là est-ce que Moïse garde bien mais petit oui mais puis quoi cheval là ils aiment dégager le cheval Moïse ouais ouais et moi je dis ça c'est parce que et après moi visite Dessalines pas oublier moi c'est membre fondateur parti politique là nous t'es siégé la plateforme là et nous c'est un monde qui va vim pour faire petite Dessalines salée là, dans le niveau PAM, pas oublier la responsabilité de nous prendre toute bataille qu'a fait dans le pays. Hein? Et pas ça, nous l'a souhaité. Mais c'est salé. Expliquez-nous qui ça poussé ou même à moi, Jean-Charles Jounen, je dis à nous deux à nous. Et. Sauf que ce sont des principes. Sauf que ce sont des bouts de travail bachoual galonné. Moi, je me dis, moi, je dis clair, je ne peux pas travailler bachoual galonné. Sauf que ce sont des militants dans la rue qui prennent la boucle et que les décisions politiques prennent, ou pas qu'on est. Et tout ça, Moïse, grand frère nous, que nous respectons en ville, tout problème qui est avec nous, c'est le problème ça. Parce que les ingénieurs sont des travailleurs, nous militaires, nous voulons qu'on ait un agenda de Moïse Jachal. Tout le pays a des biens, mais Moïse, oui. Il fait de temps. Tout pays a des biens, tout ça, on a dit Moïse, on dit ni. Mais souvent, même quand Moïse va aller, on va connaître, non? Moïse, bon discours, bon discours. Mais dans la réalité, on va connaître Moïse, on va aller. Alors, et ça que fait nous-mêmes, les nous demandons pour nous poser des questions, pour nous traiter tout le bagaille. Nous avons attendu Moïse, il y a des gens qui ont été tout, qui dit que par rapport à la bataille qui fait déjà, et c'est même bataille là, c'est une idéologie, et une idéologie, sauf que, il y a des gens qui ont porté avec tout lui-même. Genoun peut-être qui doit porter la fête. L'histoire va le dire, est-ce que c'est moi Jean-Charles qui porte la fête lui même ou bien ingénieur Sondi? Parce que bataille ingénieur Sondi, moi Jean-Charles là, et c'est l'histoire seulement qui va dire qui est-ce qui a fait une bataille dans non Jean-Jacques Dessalines tout bon, ou bien qui est-ce qui servit avec non Jean-Jacques Dessalines pour le faire capital politique, pour le grand pouvoir ou bien pour le riche. C'est ça nous connaît. Si il y a deux Dessalines dans le pays, ingénieur Sondi c'est une. Si il y a 3 Dessalines dans le pays, ingénieur Sondi c'est une. Si il y a 4 Dessalines dans le pays, c'est une. Si il y a un seul, je ne vais pas oser dire c'est une. Je vais dire ça pour l'histoire, pour le pays. Jouer un rôle comme avant-gardiste. Mais c'est à chaque fois que vous sentez qu'il y a un pouvoir qui est prêt, et bien vous n'avez pas de tête. Je dis à nous dis non, parce qu'il y a ensemble organisation dans la société qui joue un rôle comme avant-gardiste. Qui toujours a dénoncé tout ça qui mal qu'a fait dans la société. Donc nous-mêmes, moi c'est Maître Evenson Jean, nous représenter le réseau des organisations de la société civile, WOC. Constat nous, c'est que nous avons suivi le commissaire du gouvernement, Maître Belfort, Jean-Claude, qui a posé des actions qui sont illégales. Arbitraire, ça veut dire quoi?
Après président, ex-président de facto à Jovenel Moïse Filmouri, commissaire du gouvernement, CG, gagne 48 heures dans la dernière flagrance pour y agir. Immédiatement, 48 heures a fini de passer, le commissaire du gouvernement n'a pas qu'à voir mandat tout côté du gros babo des mouns. Maintenant, le commissaire du gouvernement a lancé une série de mandats. Et que nous tous connaissons en tant que journalistes, si nous prenons exemple dans ces mandats, un seul juge femme, nous avons qui dans le cours de cassation, toute société a connu qui sont qui honnêtes, qui crédibles, et qui n'ont pas reproché de ces débats. Bien, c'est l'autre mandat toujours de un paquet de l'autre monde. Nous n'avons pas de problème, parce qu'il faut que la justice pays fait travail. Mais je dis, nous n'avons pas persécuter le monde. Nous n'avons pas rentrer dans la persécution politique. Même si nous n'avons pas de prisonniers politiques qui sont en prison et qui ne peuvent pas dire rien pour le monde. C'est même si nous ex-président de facto à Jovenel Moïse qui prend un paquet arrêté, qui prend un paquet de décisions dans le pays et que la constitution n'a pas le droit de prendre ça. Parce que tout le monde connaît, depuis après 7 février 2021, mandat ex-président de facto, regrettez-moi, parce que nous n'avons pas souhaité ce conseil et le président Jovenel mourir, était passé. Je dis, président assassiné. Mais président tout complice tout. Parce que président te connaît, c'est beaucoup de gens qui ont des clients amis, c'est beaucoup de gens qui ont des cartouches, qui ont des ministres dans tout cas, c'est populaire. Donc c'est des bagages qui sont clairs, qui parlent, que tout le monde connaît. Maintenant, je dis à persécuter Madame Wendell Kok, juge de la Cour de cassation, nous connaissons tout juste ça inamovible. Ça veut dire article 177 de la Constitution, République d'Haïti, dit ça clair. Que juge inamovible. Ça veut dire qu'on passe devant un autre coup de justice. On parle de autre coup de justice, on parle du Sénat. Ok? Donc, je dis, le président de la ville de Moïse, 8 février, il a décidé, mais le président, président Jovenel, 8 février, décidé, 8 février, mettez mandat, ou bien retraite, pour retraite, 3 juges dans la cour de cassation. Parmi nous, nous connaissons Mme Kok, et que nous connaissons son bail qui est en violation. Non seulement la Constitution, mais avec loi sous et 2007 sous création CSPJ. Donc maintenant, je dis, hein, nous même en tant qu'avant-gardistes dans la société, nous, justement, demandons pour Jean de Bagasse au suspens. Nous connaissons tout. Demain, si Dieu veut, référé, avocat, Madame Kokyo, référé à fête demain, si Dieu veut. Donc, pour nous, je dis, hein, doyen, tribunal de première instance, M. Bernard Saint-Ville, il y a une commission pour trancher sur la question. Parce que je dis, ou pas qu'un gros citoyen qui est honnête, tout le monde connaît la société, ou dit les armées, ou dit c'est des gens qui ont, comme on dit, appréhendé avec un peu de barbasse, c'est comme si c'était des gens qui ont des armes, ou dit des vols, donc vous pensez que ça un débat qui vous justifie. Bref, nous pensons cette question, comme société a suivi de près, et nous prononcer, nous avons plusieurs conférences qui fait prononcer sur question ça. Donc nous passons demain matin, 10h, doyen tribunal de l'instance de M. Bernard Saint-Ville à trancher sur question ça. Bref, nous connaissons le président Jovenel assassiné. Je dis, nous-mêmes, Cap-Goumen, nous-mêmes militants dirigeants, Cap-Goumen, nous disons, le monde qui assassine le président Jovenel, il faut qu'il vienne. Pour qui ça? Parce que dans toute bataille qu'on a menée là, la presse qu'on est, nous ne pouvons pas souhaiter pour le président Jovenel mourir. Parce que pour ça, le président Jovenel fait dans la société ça. Je dis à président Jovenel, grâce à toutes les institutions nous avons, qui permettent, plus que 30 jours au mois, je dis, hein, pas qu'il y ait président dans le pays. Hein. Et nous connaissons la constitution, c'est le gouvernement bicéphale. Ça veut dire président, premier ministre. Donc je dis, hein, mais nous dans le pays, nous ne pouvons pas dire ça, nous ne pouvons pas dire si nous en haut, si nous en bas. Nous avons un paquet de politiciens tout, qui, comme dans le cap joué, on va commencer à régler. Et qui te dit, immédiatement, président Jovenel, ex-président Jovenel de facto, allez, tout bagaille prêt. Je dis à nous, beaucoup de gens qui ont un accord qui accouché sur qui monde, qui président, qui monde qui va le gérer. Donc nous autres, en tant que citoyens engagés, nous disons, ça va passer matissant. Pas qu'arrêter comme ça. Je dis à nous, on va parler de kidnapping encore.